Les chantiers du secteur communication à l'ordre du jour de la séance de travail présidée ce matin au palais présidentiel par le chef de l'État, Libongo Ndimba, travaux auxquels prenait part également le premier ministre chef du gouvernement, Julien Nkogué-Bikale. Bienvenue, Minko Barthel-Boisse, presse présidentielle. La séance de travail est dirigée par le chef de l'État. À ses côtés, trois de ses proches collaborateurs, mais aussi le premier ministre et le ministre en charge de la communication pour une discussion autour des projets majeurs de ce secteur. Il était question de présenter l'état d'avancement des projets majeurs aujourd'hui, la réforme du système audiovisuel de la télévision et de la radio publique, avec le dossier de la migration à la TNT. Il s'agissait également de voir les dossiers de numérique avec la fibre optique, des projets qui sont aujourd'hui en cours de réalisation. Dans ce secteur en mouvement, avec des exigences chaque jour de plus en plus affirmées, plusieurs projets urgent. Aujourd'hui, ce qui urge pour nous, c'est d'arrimer notre système de télévision à la télévision numérique de terre, conformément aux instructions des organisations internationales, notamment l'Union internationale des télécommunications. Il y a aussi le fait que nous devons accélérer la mise à disposition de la fibre optique au niveau des grands centres urbains et au niveau donc des entreprises qui en ont besoin pour accélérer l'activité économique. L'audience de ce mardi aura donc permis d'apporter des réponses encore plus concrètes au processus de réforme engagé dans ce secteur.